return. Voici plusieurs années que Pierrick Pédron zigzague entre la tradition la plus solide et les expériences résolument alternatives, comme le laissent entendre ses récents albums Omri et Cheerleaders. Et voilà qu'il vient d'enregistrer en trio un disque magnifique explorant la musique de Thelonious Monk. Autant d'excellentes raisons pour le retrouver nommé Artiste de l'année. Être nommé Artiste de l'année, c'est un privilège. Je suis très heureux qu'on ait voté, que l'Académie des votants ait voté pour moi pour cette catégorie. Ouais, je suis assez fier. Le old school, je pense que c'est un minimum quand on s'aventure dans cette musique-là, parce qu'elle a été marquée par les musiciens de jazz, les grandes légendes qu'on connaît. Donc, je considère que j'ai tellement trop de respect pour la tradition et pour les gens qui ont installé cette musique-là que, fatalement, je m'inspire de cette tradition pour illustrer ma musique. T'as besoin d'effets nature ou... Bon, un tout petit poil de reverb. D'accord, un peu assez courte. Ouais. Ok. On va voir ça tout de suite. Ça marche. Si tu veux. Pierrick est un magicien de grand talent. C'est vrai que je suis jongleur de moissonneuse-batteuse. Mais pas ce soir, parce qu'en fait, il y a eu un problème avec les gars, ils n'ont pas pu venir. Mais je peux peut-être te faire un petit truc quand même. Mais alors, il me faut une petite préparation. Ouais. Oh, trop sympa. Vous êtes prêts? Wow! Et voilà. Encore! 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 Yeah. Voilà, je peux faire la même chose avec le sax si vous voulez voir. Pas mal. C'est un peu plus difficile. Ton bon endroit, ton bon spot, c'est là, dans l'oreille du piano. Ici, comme ça. Ouais. Par contre, là, j'entends plus rien. J'entends pas. Dès que t'es face à la scène, j'entends plus rien. Yeah. Big sound. Voilà. C'est toujours très agréable d'être avec ses potes, quoi. Donc, oui, je pense que ça devrait bien se passer. Thank you.
Yeah. J'ai un micro, c'est normal. Alors, ce sac s'appelle Jean-Paul. Non, c'est pas vrai. Alors, ce sac s'appelle Référence. Voilà. Et il est unique sur la planète. Savoir que c'est un prototype. C'est-à-dire que c'est, j'ai eu la chance de ça, c'est un sac qui est fait, on dira, sur mesure, par Selmer. Depuis 10 ans, il est une tradition qui perdure aux Victoires, celle de remettre un prix spécial à une personnalité qui a marqué l'histoire du jazz au cours d'une brillante carrière musicale. Batteur, guitariste, saxophoniste ou encore pianiste, tous les métiers sont récompensés. Ce soir, c'est un producteur qui s'apprête à recevoir la fameuse Victoire d'honneur. Jean-Philippe Allard a travaillé avec les plus grands artistes, de Stan Getz à Ella Fitzgerald. Quand j'ai appris qu'on allait me remettre une victoire d'honneur, j'ai été très surpris. Il était donc aux premières loges pour observer l'évolution du jazz de cette dernière décennie. En 10 ans, il y a beaucoup plus de musiciens de jazz qui viennent un peu de partout, que ce soit d'Afrique, d'Asie, d'Europe. Et donc on a toutes ces influences qui se mélangent. Là, je pense qu'il va faire le son de la batterie, là. Et le niveau des musiciens est fabuleux, ça n'a jamais été aussi haut, quoi. C'est extraordinaire. Beaucoup de passerelles entre tous les styles, les musiciens jouent plus les uns avec les autres, même s'ils sont dans des styles différents, c'est assez intéressant. Il y a toute la période qu'on a appelée les géants, etc. Il y a moins, voilà, malheureusement, la plupart ont disparu, et il y a moins maintenant ces phares. Et par contre, il y a un foisonnement dont je suis curieux de voir ce qui va émerger, en fait. C'est la chanteuse Laïka qui nous a fait le plaisir de lui remettre une victoire d'honneur. Laïka, avec qui j'ai travaillé que très récemment, parce que j'adore les chanteuses, et il se trouve que j'ai travaillé avec énormément de chanteuses. Abbey Lincoln, Shirley Horn, Helen Merrill, Didi Bridgewater, Thérèse Montcalm, beaucoup de chanteuses, parce que j'aime beaucoup les chansons et les textes, etc. Donc, avec Laïka, on s'est un peu retrouvés. Et puis, donc, je pense que c'est un honneur. Voilà.